Il y a une rumeur qui a circulé sous actuel commissaire gouvernement paquet Port-au-Prince, M. Elder Guillaume, comme quoi l'État blanchi ancien sénateur Joseph Lambert dans un dossier qui a pourrait avec obstruction à la justice, côté de l'ordonnance qui était sortie, qui voyait ancien sénateur pour la juger devant un tribunal correctionnel. Eh bien, il y a divers journalistes qui l'ont gelé sur toute longueur sous commissaire gouvernement, comme quoi l'État blanchi, l'État lavé, l'État retiré ancien sénateur Lambert en bâchage, la loi pesait contre lui-même. Eh bien, maintenant là, et commissaire du gouvernement, M. Elder Guillaume, il n'a pas raté en occasion pour te corriger cahier journaliste ça yo. Commissaire a tellement fâché, commissaire a parlé, li parlé, li bay tout détail dans dossier qui concernait ancien sénateur Joseph Lambert. Est-ce que ancien sénateur a la précode? Est-ce que le pas précode? Est-ce que tribunal a gain pour juger? Est-ce que le blanchi ancien sénateur a qui sa bagaille lan est tout bon puisque dans moment là, c'est ça qui a fait actualité. Nous va gagner pour nous faut attendre commissaire gouvernement, M. Elder Guillaume, qui a bail tout détail, qui a bail toute précision dans dossier. Ancien sénateur Yuri La Tortue à tout ancien sénateur Joseph Lambert que yo accusé l'État blanchil. Yo l'autre bon, ou pral saisi, puisque nan moment là, pour ça qu'a passé dans le pays, eh bien, parti politique yo, yo commencé à réfléchir yon l'autre gens. Puisque pour qu'on y a là, ça a passé dans le pays. Il y a des gens qui estiment que ce n'est pas seulement le gouvernement Ariel Henry, ce n'est pas seulement le premier ministre de facto Ariel Henry qui n'a pas couru, mais c'est toute la République. Il y a un parti politique, Vive Haïti, avec Rony Timothée qui m'a dit yon chita parle, yon dialogue avec l'actuel gouvernement. Est-ce que c'est parce que yon n'a pas eu un remaniement ministériel qui va le faire là, yon va changer et ministre, directeur général, secrétaire d'État, etc. Nous pas qu'on aime, mais ou pral gagner pour joindre plus de détails dans micro tax 509 dans un petit moment. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment vous êtes? C'est toujours un plaisir pour moi avec nous pour me porter émission pour l'emploi, émission Rémi en pile. Mon éditorial avec Yannick, au même qui fait tomber sur le channel là, qui fait brancher ou sous TAC 509, tout haïtien connecté. Pas rater en occasion, sous pourquoi abonner à ce channel là, sous pourquoi rejoindre grande famille là, pour faire les abonner et toujours songer à activer la cloche notification pour être connecté avec nous. Et avant même de commencer l'émission, je dis là, je vais saluer yon zami qui toujours avec nous, qui toujours et à conseiller, qui toujours à partager l'émission. Et m'te gen chance croiser li, m'te gen chance rencontrer li et monsieur Joseph Joam et qui vraiment t'es content ouais, qui vraiment t'es apprécié ouais moi et moi-même tout me t'es content ouais. Donc m'espérer que travail là on continue à encourager lui, on continuer et encourager plateforme là surtout partager vidéo parce que ça vraiment aider nous à avancer. Et bon, on nous rentre dans l'information parce que je dis là nous gagnons et divers points importants pour nous. Et hier, c'était occasion pour ancien sénateur républicain, ancien sénateur département Niplan, Nenel Kassi, pour l'été paraître devant juge instruction Jean-William Morin dans le cadre du dossier BM Padla. Et bien, hier, nous avons regardé ancien sénateur Nenel Kassi, qui lui-même suite avec audition lui et audition lui suite avec présence dans le cabinet d'instruction et bien il pas traité occasion pour le faire connaître que ses persécutions politiques et ces monde qui pas veut lui ses adversaires politiques nèg gen en face lui et dans moment là qui a target lui comme quoi. Et comme si dossier BM Padlan, nèg yo te bien géré l'argent BM Padlan, yo te bien géré l'argent paysan. C'est comme si, et li toujours senti la l'aise et confortable pour dire que Patrick Noramé, qui à l'époque était directeur BM Padlan, qui t'a géré l'argent, qui était administrateur et qui t'a géré brasser l'argent dans le trésor public, là, il t'a fait connaître que c'est sous recommandation, c'est lui qui t'a proposé Patrick Noramé. Mais coup Patrick Noramé, dilapide, volé, vend bien l'État,
20 chaises, 20 bureaux, 20 génératrices qui étaient dans BM, pas d'après le fin bouton, paquet l'argent aller. Eh bien, il fait qu'on est que le pas gagné pour louer avec Patrick Norami. Oui, c'est vrai, m'a tout dit nous ça, noir sur blanc. La responsabilité pénale est personnelle. Oui, c'est vrai. Si Patrick Norami, lui vole l'argent BM, pas lui détourner l'argent BM, pas lui faire corruption. Responsabilité Patrick Norami pour corruption, pour détournement de fonds publics devant un tribunal, c'est Patrick Norami qui a gagné pour répondre de choses à eux devant un tribunal criminel. Cependant, c'est la bagaille anti-genre compliqué à eux, reprenne. Et c'est là tout, ancien sénateur Nenel Kassi, il paraît aimer, les a analysé, les a commenté, les a éclairé l'intérêt de monde sous dossier BM Padlan, sous dossier corruption que l'État a impliqué là-dedans. Hier, juge d'instruction Jean-William Morin, li invité disons et ancien sénateur à titre de témoin pour vinn poser quelques questions dans dossier BM Padlan dans dossier Patrick Norami. Mais non moment là si juge instruction considère Nenel Kassi comme témoin c'est probablement parce que li poko go ensemble d'éléments à charge contre ancien sénateur mais automatiquement, yo t'a déposé la patte sous Patrick Norami ou bien t'a qui ensemble et deux preuves, t'a gagné des éléments concrets qui prouvaient, qui justifiaient, qui montraient noir sur blanc que ancien sénateur Nenel Kassi, li t'a qu'on prend l'argent dans Patrick Norami, li t'a qu'on joue privilège, faveur dans l'argent qui sortit en deux dans caisse BM pad, non BM pad, li évident que le ça. Ancien sénateur pas t'a pas venir parler dans micro la presse persécution politique. Si t'a gagné noir sur blanc des éléments choses qui montrent que oui ou t'es qu'on passé et ou t'es qu'on joue privilège ou t'es qu'on à peine joy ou avec l'argent BM pad ou t'es metté et Patrick et Norami dans tête et BM pad c'est pour t'a venir régler cause ou là on t'a bien question pour répondre devant la justice parce que ou t'a complice de corruption qui a fait là t'a complice de détournement de fonds qui a fait là et qu'on a bail qui est extrêmement important. Négisit, formisit qui participe, qui utilise fonction statut, qui utilise privilège dans l'État comme ancien sénateur, député, etc. Et ancien parlementaire ou bien conseiller président, conseiller premier ministre, etc. Là, on fait trafic d'influence. Le nèg sa ou fait trafic d'influence pour mettre moun nan poste, pour mettre moun nan fonction, fourer moun nan diplomatie, coincer moun, mettre moun nan dedans boîte l'état, dedans administration publique là. C'est rare fois, oui, c'est rare fois. Ou tande gen yon commissaire gouvernement, ou tande gon juge d'instruction qui retenu charge contre yo parce que yo t'a fait trafic d'influence, yo utilisé statut yo fonction yo pour yo jouir, de privilèges yo te gain pour yo rentrer moun nan boîte l'état pour al et al faire l'argent pour yo mettre moun pour yo ka continuer jouer privilège. Et c'est le cas de ancien sénateur Nenel Kassi. Pas de question ou recommander. Ou recommander dans qui ça dans université elle t'a rentrer. Ou recommander pour qui ça? Et yo te mande quantité année d'expérience si pour moun recommander etc. et pour recommander li parce nèg yo prend bagay yo pour blague yo prend tout bagay pour et pour grand star yo prend tout bagay comme si yo prend malin plaisir vinn passer peuple là dans tête vinn passer peuple là comme si nous même nous pas comprendre ou bien tout moun c'est imbécile tout moun c'est tête dans sac tout moun c'est aveugle yo pas comprendre yo pas ka déceler derrière une action bien derrière comportement on est gain que c'est magouille l'affaire de dans l'état que c'est magouille il t'a fait elle était dans parlement etc. Oui hier c'est sénateur qui comparaît comme on sait témoin mais si vraiment yo le maré ancien sénateur Nenel Kassi li utilise influence il t'a gagné li utilise influence il t'a gagné non seulement comme sénateur de la République mais tout comme homme politique qui était influent dans SDP etc. Yo t'a supposé pour trafic d'influence. Yo t'a supposé poursuivre ancien sénateur Nenel Kassi. Si toutefois pas ta gen lien connexité yo t'a montré côté que Patrick Norami kon prend l'argent vide bali etc. Yo t'a supposé poursuivre li pour ça. Et ça qui plus grave, nous pas konnen, on pral mettre lumière sur lui pour nous peut-être. Bon dit nous vérité qui gen là. Nous songeons ancien président Jovenel Moïse il t'a dit nous Haïti a 5 problèmes. Pays a 5 problèmes. Corruption, 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 corruption. Et puis corruption encore. Eh bien, nous prenons réaliser. Je ne dis pas là. À 90 ou 95%,
trafic d'influence, c'est une forme de corruption qui pi présent en dedans la République, qui pi présent dans l'administration publique là. Qui ça trafic d'influence? Mbrado, trafic d'influence, dans son délit, la loi punit. Et nous tendons parler, faire mention de ancien sénateur Nenel Kassi que on juge t'a supposé poursuivre, t'a supposé rendre ordonnance contre lui-même pour trafic d'influence. Toutefois, il pas joindre connecté lien t'a gagné dans brasser l'argent BM pas dans noir sur blanc, il pas joindre évidence. Mais on t'a supposé poursuivre lui pour trafic d'influence parce que lui admet c'est lui-même qui t'a joué relation, qui t'a proposé Patrick Noramé dans BM pad. Et bien m'bral dit nous. Majorité moun nou wè jounen jodi an ki nan administration publique la, mis à part de moun ki te allé nan concours pour rentrer nan boîte l'état etc. Majorité moun yo, c'est trafic d'influence, oui trafic d'influence, c'est le fait pour quelqu'un on moun la ki dépositaire de pouvoir public la et puis soit ou fait le dette don bali l'argent bali ticho cho pote ti enveloppe bali pour le fort bénéficier des avantages ou bien ou bali tant que j'en ai yo qu'on a demandé femme yo et ba yo femme etc. cetera ba yo boubou ni faire rentrer dans l'état ou gen marraine ou gen parraine tout ça c'est trafic d'influence yo et c'est ça que femme dou 90 à 95% moun ki dans administration publique dans boîte l'état yo yo bénéficier le trafic d'influence yo sous trafic d'influence et c'est youn nan infraction nan délit youn nan forme de corruption qui pi présent dans la République. Et m'a dit nous honnêtement forme d'infraction ça trafic d'influence li rarement puni yo rare li rare pour yo poursuivre un officiel en autorité en dedans l'état pour lui parce que yo connaît c'est ça qui reprend c'est le cas fait actualité nèg la pour vinn commissaire gouvernement faut que li gon moun qui était à côté ministre qui était ami ministre là qu'il y a l'elle monter ministre dit pas gain problème m'a bon job là même gain 2 3 moun gain 5 moun là et qui était fait fréquent avec gain 5 moun là m'vle marier parce que yo avec madame moi ou bien ça te prend mari etc. ou poursuivre yo marier ou mettre en côté. Vous comprenez, vous avez un job là en retour ou bail des services, des avantages, etc. que vous bénéficiez. Tout ça, vous faites partie de trafic d'influence. Vous pensez que c'est aussi facile pour combattre li? Et c'est une des raisons qui a fini par comprendre tout ça, ancien président Jovenel Moïse Tabdouyo. Problème corruption, li sous toute forme, la gangrene système, non? La gangrene administration publique, la gangrene pays. Et en pile les gars femmes, yo admet d'une manière ou d'une autre que y'a fait corruption, mais sous le couvert et de recommandation, j'en oué nenel kasi te dit là. Sous pas tant d'elle bon fote de ti pati ça, et ou bon idée plus ou moins comment nenel kasi devant tout le monde, nan j'ai tout le monde, li admet que la fait trafic d'influence, li admet que la fait corruption dedans pays, mais pour qu'on aucun juge qui choisit pour suivre pour ça. On nous regarde. Bien venu là. Hier, nous bien dans le pays. Nous avons monté les structures pour nous permettre des organisations politiques noires, forces politiques noires monter, pour nous capables de prendre pouvoir, pour nous retirer dans le salaire. Et c'est ça qu'on va oublier. Et je tiens à inviter nous dans un dossier qui concerne les BMPAD. Nous avons directeur BMPAD. Est-ce qu'un dans pays a son seul directeur qui passe dans BMPAD? Nous tous nous va connaître BMPAD, c'est papa ou bien maman Petro-Caribé. Qui ça fait dans ce Petro-Caribé? Je dis à tout ça, ma petite là. Général, mais pas ministre. Et ma vraie, qui ça pour la presse encore? Je ne peux jamais gérer un goût pour l'État. Des fois, sénateur, l'autre sénateur, ou pas ordonnateur, je ne vais jamais comprendre. Et c'est dans ce sens, ça m'a dit, peuple haïtien. Moi, pas gagné pour moi ni de près ni de loin. Nous, ensemble de bagailles, qui monté de toutes pièces pour nous fatiguer politiquement, pour nous décourager politiquement. Bon, 3 minutes pour nous dire nos bagailles. Moi, je vivais comme sénateur, avant de vivre comme sénateur, pour les bagailles que je fais, je me bats l'esprit, je tue en sécurité. Je vivais comme sénateur, nous continuons à battre contre le pouvoir matériel. Et pouvoir Jovenel là, il va arrêter des sécurités injustes.
Le mandat de libération, le pas de bail jusqu'à ce que la justice vienne trouver l'innocence de libérer. De sécurité. Nous avons une sécurité qui l'a calé tranquillement. Yo vidé ta tout souligne. Il prend bail tout le temps. Moi, chita, la calé tranquillement. Le ministre de la justice débarqué, il vient chercher uniforme la police. Je ne sais pas comment faire uniforme. Je dis que des milliers d'uniformes là quand même. Menti, persécution politique. Moi, à nos manifestations dans le pays, dans le département de Miyagouane, complot fait arrêter. Après la population et tout le monde condamné ça, yo mettez mon yo. Après deux jours, nous sortis dans l'arrestation de Miyagouane, yo fait tentative d'assassinat sur nous dans Delma 42. Là, au fin fait tentative là, même pouvoir encore. Vous voulez faire me passer pour responsable. Alors que c'est moi, avec l'équipe, moi, que j'ai besoin d'assassiner. Depuis que je pas assassiné, depuis que pas toujours, je suis boche à côté. Ça veut dire qu'il faut que tu mourir pour que tu comprennes que tu es une tentative. Dans même rubrique, ça, je continue à persécuter nous. Dans la manifestation, soudainement, en trois reprises, je tire sur nous. Et on l'a tiré sur nous ensemble avec le sénateur Boublan. Bon l'a retiré sous moi ensemble avec Claire André. Bon l'a retiré sous moi ensemble avec sénateur Paul Denis. Et tout ça yo, yo continue à faire yo. Et là au fin fait tentative assassinat sous nous dans Delma 42. Nèg yo besoin arrêter nous. Et c'est là Jovenel te font sagesse. Il dit nèg yo nous pas des preuves. C'est méchanceté politique. Et bon l'a m'a dit qui moun qui te parlé ça avec Jovenel dans livre que m'a fait pour sortir. Et c'est dans la même rubrique ça. Mais je continue à persécuter. La fois dernière, je n'ai pas rien pour moi avec la mort. Président Jovenel, je invite. Alors que tout le monde connaît, c'est des manifestations pacifiques qu'il est toujours engagé. Persécution, yo en pile. À Saint-Marc, yo tire sur nous. Tout côté a attaqué nous. Yo tue en pile militant pour nous. Même quand on campe dans la bataille, on peut faire. Je dis à ma petite, mon qui est même. Merci en pile. Parce que ça, vous faites pour détruire l'image, caractère dans la presse, un peu partout. N'était-ce pas l'amour que vous avez pour moi, nous allons camper beaucoup. Ma petite, mon tout qui prend dans la provocation, dans la montagne, bien vous jouez après vous. Et c'est une bagaille que m'a demandé. Chaque fois la justice est m'a venu. Ou jusqu'à ce que vérité yo blaï. Et même gens, sous dossier Jovenel là, nous disent nous pas impliqués ni de près ni de loin. Et la vérité a blaï. Même gens, sous dossier 40B, côté de assassiner nous. Qu'on s'agit de paix, tout bagaille nous gagne, nous pas mettre au dehors. Parce que nous serrons pour nous montrer adversaire et que nous-mêmes, et n'a bataille nous font bataille. Et n'a pas une vérité. Sous le siège aujourd'hui, côté administration Patrick, moi-même, moi crois que l'on recommande au monde, ou bien proposer au monde, ou bien supporter au monde, dans un job, c'est lui qui est responsable. Je ne suis pas administrateur, je ne suis pas comptable, je ne suis pas directeur général, je ne suis pas aucun responsable. Et j'aime toujours dire, les gens me disent déjà, juge Morin, nous capables de placer confiance dans lui, parce que le dossier qui est devant là, ce n'est pas lui qui fait le dossier. Son dossier qui est monté depuis en août 2019, sous période Jovenel. Nous ne comprenons pas que je ne dis rien. Est-ce que je dis en d'un pays, sur celle administration qui est gagnée, sur celle direction générale qui est sur celle monde qui passe dans la direction générale? Et puis tout, si c'est le passé, c'est lui-même qui a des responsabilités. Hein? C'est pas moi-même qui a des responsabilités. Hein? Ça veut dire, non, c'est ça, m'a dit, moi-même, je ne vais pas gagner pour moi, ni de près, ni de loin, dans la question de gestion. En tout cas, la République, nous tendait, nous, ouais, Haïti a des problèmes vraiment ouais, avec les modèles qui passent dans la tête de l'État, modèle autorité. Vous comprenez?
et nous pas continuer à faire pays avec moun sa, nous pas continuer à mettre énergie men sa yo, nous pas continuer à mettre déchets sa yo, à mettre yo sous table et puis nous penser nous pral manger bien avec nous pas manger bien, nous pas mettre déchets même côté avec moun sérieux. Moun ki vle pou peyi avanse, moun ki vle développement pou peyi, moun ki vle stabilité pou peyi, kou rive sou li wap wèl. Comportement, l'action, l'abdou véritablement, mais qui est lié. Nègle l'a pas qu'à faire un bagay en bois, et puis, nan bouchi l'abdou en la parole. Nègle l'abdou, et ok, nous voulons stabilité pour pays, nous voulons développement pour pays, et puis la fourre, maintenant, j'ai coupé le peuple à la voler, l'a détourné, la fourre, moun, la coincé, moun, mette moun en dedans administration publique, là, et puis le dou livre le pays, nous voulons faire pays, qui pays nous bral fait. Ça, il faut nous vraiment, et rester focus sur eux parce que c'est extrêmement important. Et pour rappel, à titre de rappel, faut que moi dis nous ça, et gagne pas qu'on sous songe secrétaire et général et Barreau Port-au-Prince, maître Benzon Pierre Louis, qui était conseiller tout en dedans et cabinet ministre ancien ministre justice Bertrand Dossier. Et bien jusqu'à présent là, il était impliqué vraiment dans scandale trafic d'armes munitions qui impliquait ancien ministre justice Bertrand Dossier, mais Robinson Pierre Louis dans ensemble de charges que retenu contre lui-même dans le trafic d'influence là-dedans tout ça est extrêmement important. Li c'est un dans monde parce que il était dans cabinet reprendre était dans cabinet ministre et yo estimé que il fait trafic d'influence, il utilise fonction li privilège te gagner pour lui permettre à ce que l'autre monde bénéficier d'un ensemble de bagages jusqu'à ce que yo fait zam rentrer dans pays. Jodi an la coupe yo dit la coupe dans pénitence nationale, même pas qu'on aime balle dans pénitence, pas qu'on est papa. On nous avance parce que il faut que nous continuer avec information, il faut que nous continuer et porter information pour vous. Et gagner CSPJ qui sorti et plusieurs listes là des magistrats qui certifiés et d'autres qui pas certifiés qui pas recevoir certification yo. Et dernière fois CSPJ il t'a publié ensemble de magistrats et certifiés non certifiés, me songe t'ai gagné et ancien commissaire gouvernement paquet Port-au-Prince et Jacques Lafontaine qui était fait partie de magistrats qui pas recevoir certification yo. Malgré que CSPJ il était recommandé avec le ministère de la justice, il était recommandé pour mettre action publique en mouvement contre magistrats corrompus, magistrats qui pas intégrité morale ça yo, pour te poursuivre, magistrats qui a pris l'argent dans main justiciable pour le vendre justice, magistrats qui a volé terre, magistrats qui dans corruption, rien pas de fait. Et nous, well, liste magistrat qui pas certifié, yo continue à sortir. Mais ça qui est étonné dans dernier liste que CSPJ mette de yo, c'est le fait que gagne ancien doyen tribunal et première instance, M. Bernard Saint-Ville, et qui fait partie de magistrat qui certifié. Alors que nous connaissons tellement de scandale de corruption qui concerne qui t'a impliqué ancien doyen qui t'a impliqué magistrat ça c'est malheureusement mon petit marivante journée aujourd'hui on l'est certifié. Est-ce que c'est moi qui dans le flou ou dans l'erreur, est-ce que c'est moi même et qui pas comprendre ça qui est les certifications ou bien objectif certification ou bien tout c'est à faire passer SPJ après régler non bon parce que même j'en te gagne ensemble et ensemble de yo t'a dénoncé ensemble de dénonciation qui t'est faite contre ancien magistrat, ancien commissaire gouvernement et Port-au-Prince Jacques Lafontaine, c'est même gens et surtout dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, gagne en pile dénonciation qui fait contre ancien doyen, ancien magistrat et contre magistrat et ancien doyen tribunal là. Donc journée aujourd'hui là on va garder ces même lui même encore qui certifié qui recevra la certification là me conseille que c'est moi qui dans l'erreur et c'est moi même qui galère et pas bon mais n'exagère bon comprendre, c'est moi même qui galère à faire corruption avant justice mais n'exagère même c'est moi nous comprendre honnête qui crédible etc. Bon nous là n'a regarder n'a suivre parce que il y a des évolutions qui a fait gain dossier plusieurs autres magistrats et qui a l'étude et pour nous ouais qui s'est sorti de manière définitive dans dossier et certification ça. Maintenant on a rentré dans dossier politique. Dans ça qui gain pour ouais avec un ensemble de décisions
que primature que premier ministre Ariel Henry a prend en moment là parce que nous connaît la préparer et remaniement ministériel. Li nan moment là, m pa caché d'où premier ministre Ariel Henry li tan comment on dit ba ça moun ki donte chien yo moun ki donte et oui chien yo m'pa konn comment yo rele yo non sou konn non wa di moi Ariel tan kon moun nan moment là li gen un bout de saucisse nan mel. L'affaire politicien yo fait à droite à gauche à droite tout nèg fait à droite à gauche tout nèg fait à gauche nan moment là tout nèg a chercher en façon pour yo pas déçu premier ministre tout nèg a chercher et pour yo marcher sous 13 yo pour yo pas piler 14 yo parce que nèg pa vle perdre job dans l'état en Haïti pour DG pour secrétaire général pour directeur général ministère pour ministre. Et il n'y a pas facile, il faut qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait un trafic d'influence qui fait, tu comprends? Dans ce moment-là, Ariel, c'est l'homme du moment. Tu comprends? Il y a Ariel, il n'y a pas un jouet dans ce moment-là. Et bien, par rapport avec la situation, ça, le remaniement ministériel qui a préparé à terre, il y a une partie politique qui commençait à venir avec l'autre discours qui commençait à faire bagayon l'autre gens et faut gagne dialogue mais faut gagne dialogue et haïtien nous on pas capable parler entre nous pas capable plus rien mais parler avec blanc étranger à chita délégation à venir émissaire à venir n'a chita parler avec et puis nous pas chita entre nous et bien nous songe te gagne réunion qui s'est fait Jamaïque 13 14 11 au 13 et juin qui s'est passé à là côté et divers partis politiques, sociopolitiques, etc. Ils ont monté Jamaïque, ils ont parlé. Et bien, vu que c'est entre protagonistes, ils ont finalement joint une sortie de crise entre eux-mêmes, ils ont joint une déclaration conjointe que divers n'ont été signée, sauf le premier ministre Ariel Henry à Kakoli Plio. Mais par rapport à la situation, ça, et gagné divers et l'autre structure politique qui croit que journée aujourd'hui là faut que continue de dialoguer avec Ariel Henry parce que son échec qui était prend en Jamaïque gagné Vive Haïti. Vive Haïti c'est structure et Ronnie Timothée hein, avec Biron Odige récemment gros collègue gros confrère journaliste qui dit que et monsieur ça a un parti politique mais parti politique yo pas jamais gagne adresse. Je ne sais pas si ça véritablement mais nèg yo toujours planser invitation à la presse on pas jamais connaît véritablement qui siège parti politique quoi. Eh bien, Ronnie Timothée, il estime que moment là, c'est moment pour yo dialoguer avec Ariel Henry. Il estime que Vive Haïti t'a bien aimé fontichi t'a parlé avec premier ministre Ariel Henry. Dans objectif pour permettre à ce que yo joignent en tête politique pour permettre à ce que pays en sorti côté pour aller là. Est-ce que c'est pour pays y a fait? Ou bien Vive Haïti ta remen voye un moun nan prochain et nan prochain gouvernement que Ariel a gen pou le monter. Bon bref, m pa konnen, menm pral ki to tande et gade, Ronnie Timothée Vive Haïti bi on Odige ki yo menm a bay plus detay sou sa yo ta remen fè avec Ariel Henry nan moment la. An nou gade ansan. Ariel. Depuis après accord 21 décembre fin siyen, c'est parce que chaque jour levé, nous tande changement annoncé. Il y a un changement qui a été fait. Qu'il était dans le ministère, qu'il était dans la direction générale, tout le monde a pris le temps. Alors que par exemple, il n'y a rien qui fait. Mais je dis à nous rappeler, nous, ça, nous, pendant qu'il n'y a rien qui fait là, eh bien, toute collectivité était dans place, tout délégué départemental toujours était dans place, alors que nous, ça, nous, joué pour rôle dans la question ni sécurité, ni insécurité. Je dis à nous, nous, demander à ça, qui ça a fait. Qui ça a fait parce que il était même annoncé, il y a un conseil électoral qui va monter pour calendrier électoral lancé, en façon de connaître qui est Ariel à primer tête pouvoir avec un président qui est élu démocratiquement. Mais malheureusement, nous voyons qu'il n'y a rien qui fait. Pendant ce temps, l'insécurité a été baisser, les retourner à Brigaloupé encore, les kidnappings ont été baisser, les retourner à Brigaloupé encore, et comme je vous l'ai dit, tout le monde passe pour être, il y a négocié. Et pendant tout dialogue, tout chita parlé, tout rencontre qu'a fait, qu'il était Haïti, qu'il était Jamaïque, problème peuple là-bas sous sous table, qu'il était problème gang monde pas sous table, problème insécurité pas sous table, problème la riche pas sous table, problème grand bougain li pas sous table et tout le monde voit encore la douane a battu l'estomac là, a battu l'estomac lui dit, li rentrer en pile corps. Ou rentrer en pile corps, mais qui ça fait tout pour gagner manger qui baisser dans pays là. Même question passeport. Yo récupérer en pile l'argent.
mais action sociale nous qui pose. Moi-même, je suis capable de garder deux ou trois ou quatre ministères. Même si tout le monde va faire, mais il y a un climat. Je suis en côté dans le pays pour être oublié à bouche en trou. Moi, EDH pas existé dans le pays, c'est blacard de tous côtés. Moi, ministère de l'Environnement, il est absent. Ça veut dire Fatra envahi le pays, il n'y a rien qui fait. Moi, où est l'autre ministère encore qui n'a pas fonctionné? Donc, je dis, hein, tout pendant tout le temps, ça a eu 2 ans après. Ariel toujours là, même l'équipe ça a toujours là accompagné, et le pays a été plus mal. Dans Chita, par le fait dans Jamaïque, tout le monde dit, attendez, il y a un pays dans le CARICOM, dans le TEDI, il y a une aide pour la police nationale là, dans la question de la sécurité du pays. Tout net croisé pour être, vous levez le campagne, vous dites vous-même, vous n'avez pas d'accord, l'autre force vient d'entrer là. Pour venir aider la police nationale là, pour combattre le phénomène de sécurité ou bien pour combattre la gang. Ça veut dire que ça, l'on va d'accord. C'est pour nous dire si vous avez un gang. Et pour nous dire, le monde n'a pas marché aucun côté, nous dire. Je dis, toute zone qui zone de nos droits, pas de Pétionville, pas de la ville, pas de zone résidentielle encore, tout le côté passe pour un gang qui a dirigé. Alors pour nous jouer des amis qui disent à venir aider Haïti. Et puis nous-mêmes nous croisons, nous disons non. Moi-même, je ne suis pas venu là pour nous défendre l'intérêt Ariel. Mais par contre, il faut être d'accord tout. Si pas de monde qui vient de déposer ça, si pas de monde qui vient de peuples là, la question de sécurité, nous tout a péri. Donc, une force multinationale vient de nous là, vient de nous combattre la sécurité. C'est Ariel seulement qui a bénéficié ou bien le peuple a bénéficié? Le peuple a bénéficié de la sécurité, il n'y a pas de bénéficié de la sécurité, il a sorti. Il y a des fonds de manger, il y a des fonds de copier. Nous avons tout pour nous vivre à l'aise. Donc, je dis là, nous vivons très mal comprendre. Un groupe de monde qui a dit qu'il y aurait un pays. Et puis, pendant ce temps, un groupe de gang a terrorisé la population. Assemble tout côté. Et puis, tout le monde dit qu'il n'y a pas d'accord pour que ça vienne d'aide. Bon, nous avons plusieurs tentatives faites pour que ça mette l'autre dans des zones. L'aile courue, village des yeux, il y a un qui éclate le canard. L'aile éclate le canard, et pendant le canard, il y a un groupe qui pète Pétionville. Donc ça veut dire, la police n'a pas qu'à courir 4-5 côtés à la fois. Comment ne fait pas d'accord pour les supports? Moi, ma fille, vous me dit, je dis, son chita parler pour faire. Parce que pour Ariel qui était payé là, il faut être d'accord, c'est nous pour faire le chita. Bon groupe, nous n'avons pas d'accord pour nous jouer un accord. Pour dire Ariel fait plus de temps. Ou tu d'accord avec Ariel, je l'appelle le pays. L'on pas d'accord pour Chita, pour dire Ariel, vous avez passé combat et sécurité. Mettez au conseil électoral, résoudre le problème de pouvoir, résoudre le problème de non. Faites élection. Donc ça veut dire, comme il y a des gens qui ont ministre dans le en bas, il y a des gens qui ont direction générale dans le en bas, donc ça va déranger si le pays a marché comme ça. Mais nous-mêmes, le pays a dérangé nous, mais je l'appelle Chita. Parce que nous n'avons pas de vie nocturne. Bon bonne bague va exister, pas de loisir encore. Ou pas aucune belle coteau qui a pris petit outil pour pouvoir mener la visite. Donc je dis, ça qui a pris des pays, il n'y a pas Ariel seulement. Ariel pour beaucoup, mais nous-mêmes nous beaucoup tout. Parce que nous ne sommes pas Chita. Donc si nous ne sommes pas Chita, Ariel a fait plus de temps. Si nous ne sommes pas en temps, Ariel a fait plus de temps. Si nous ne sommes pas accord sur des accords, Ariel a fait plus de temps. Donc le conseil de l'État, c'est qu'il y a quelqu'un Ariel là. Nous, Ariel décrit tout partout. Nous sommes grand goût, nous sommes misère, nous sommes la richesse, nous sommes tout bagaille. Mais qui est la chita pour mettre des problèmes personnels de côté? Pour nous intérêt pays, intérêt peuple haïtien, intérêt monde qui est mal. Peut-être que ça nous tous nous chita pour le fond encore, sans ne pas bénéficier du ministère, sans ne pas bénéficier de direction générale, sans ne pas bénéficier en rien de la collectivité. Pour nous dire et sécurité ça, c'est selon un temps qu'on a accord pour faire. Ouais, je dis, c'est tout le bout de l'unité, ouais, un accord politique qui fait. Quel est le cap de la police, quel est le secteur privé, cap de la cartouche, quel est la police qui mélange avec la gang. Si vous avez un accord, nous tous faisons tout le monde. Vous ne pouvez pas dire que tout le gang est cherché à trouver le métier de tête. Parce que vous avez véritablement la justice. Quand vous avez sur vous, mais si nous ne voulons pas entendre nous, nous ne voulons pas résoudre le problème. Nous ne voulons pas, si vous êtes d'accord, jouez-nous un accord, formez un ministère, formez une direction générale. Mais monsieur, comme si vous avez un tout, nous tous avons un ministère. Nous tous qui direction générale, collectivité qui a partagé à nous tous, tout le monde qui a fait politique dans le pays a dit qu'il aime le pays. Mais si nous aimons le pays, pour qui ne pas mettre pour les personnels de côté pour nous tirer le pays. Mais c'est le monde qui est mal. Mais si nous aimons le pays, tout le monde, il faut que nous soyons pas capable de faire. Merci. Il faut que nous mettions sous table pour nous jouer une solution avec Risa. Et vous allez comprendre. Nous jouons un groupe qui n'est pas d'accord dans un premier temps, pas d'accord avec PHTK, mais je dis à
groupe ça yo yo accepté au signer avec PHTK mais groupe qui était dans la rue ensemble avec eux qui est dans pouvoir ou pas pas signer ensemble avec eux ça veut dire que vous venez comprendre ensemble parti politique ça yo yo montré yo c'est pas problème pays à vrai que vous avez défendu chaque monde ses intérêts personnels yo PHTK c'est lui même l'un des sous pouvoir il était attaqué intérêt personnel yo intérêt personnel yo yo pas capable pas capable bénéficier des intérêts personnels yo jodi a PHTK pas sous pouvoir bon alliance qui fait avec PHTK si accord avec PHTK et bien l'autre parti politique qui était dans la rue ensemble avec yo jodi a revenir en face intérêt pas yo continuer menacer yo pas entendre pour nous même franchement au niveau vivre Haïti là nous était là réfléchir c'est qu'on y a nous en perdu et n'a posé d'autres questions qui côté Haïti gagne qui côté Haïti gagne et c'est pour raison ça matin nous vient avec peuple haïtien nous gagné environ 2 semaines et Haïti il rete sous bouche communauté internationale. Nous sortis dans Kingston, Jamaïque, avec un sommet qui était fait pour les peuples haïtiens, pour les partis politiques au pouvoir dans Jamaïque. Rien n'est pas sorti. Deuxièmement, nous venons jouer dans le pays de la France, 22 juillet tout passé là, il y a un sommet qui fait dans le pays de la France, et avec divers pays, qui a réfléchi sur le climat à travers le monde. Donc, Haïti, remonter table là encore, et reposer le problème pays d'Haïti pour voir comment vous avez aidé nous pour nous sortir dans la situation nous est là. Et nous sommes tout OEA à travers 53e Assemblée Générale League, remettre Haïti sur table là encore côté vous demander pour gagner de force qui vient pour aider pays d'Haïti. Mais là, on a rappelé tout en passant, Luis Almagro. Dans l'année 2021, c'est clair. Dans ça, Haïti est là, je ne vous dis pas, la communauté internationale là, pour beaucoup, parce que la communauté internationale là, tout ça qui pourrait voir faire dans le pays, il n'y a pas fait, il n'y a pas accompagné et pas accompagné les Haïtiens. Donc, la communauté internationale là, il a échoué. Il a échoué dans le pays. Cependant, nous-mêmes, nous venons dire avec la communauté internationale là, oui, nous sommes dans une situation difficile. Oui, nous sommes dans une situation qui est extrêmement compliquée. Je vous dis à regarder la sécurité à répondre à l'autre dimension. Nous avons besoin de support international. Nous avons besoin de support international, là, mais ce n'est pas le support nous besoin, c'est nous pour dire international là, qui est le support nous besoin pour l'international à venir aider nous. La police nationale là, a besoin de support pour nous combattre gangs. Pour nous combattre gangs. La police nationale là, a montré en pile côté, montré faiblesse. Nous avons deux côtés. Dans la capitale là, qui empêchait nous d'aller dans plusieurs départements, le nord et le sud, qui est la sortie là-dedans. Et c'est pour raison ça, nous-mêmes au niveau Vive Haïti, nous parlons avant toute négociation dans le pays, parce que nous parlons de quelle négociation nous avons fait pour nous partager pour poste. Partager pour poste, nous voyons ça déjà, il n'y a pas résolu rien. Toute négociation qui fait, partager poste avec parti politique, avec divers secteurs dans le pays, il n'y a pas résolu le problème pays. Bon, voilà, nous sommes gardés et attendés. Et M. Vive Haïti qui m'a dit, je suis à parler, qui m'a dit, yo concession avec le pouvoir. Bon, pour rappel, pour l'histoire et pour la vérité, l'important pour qu'on ait véritablement qui est. Monsieur Zayoué, Ronny Timothée, Biron Odige. Moi, je n'ai pas aucun problème personnel avec aucun nègre. Je toujours dit, moi, je n'ai pas aucun problème personnel avec mon yo. Je ne sais pas qui en peinture, seulement qu'on est en tant que et des hommes politiques, comprendre qui souterrain, qui a fait causer en dedans la République. À un certain moment, Biron Odige et Ronny Timothée, c'était. Et opposant politique farouche à Jovenel Moïse. C'était allié SDP, c'est des séries de monde qui étaient dans vente SDP, dans vente André Michel, Nenel Kassi, Majorie Michel, etc. Parce que pendant 4 ans, ils ont fait combattre Jovenel Moïse, 4 ans à combattre idée, à combattre idéologie que Jovenel Moïse t'a prôné, etc. Ils ont pas pour dialogue, ils ont pas pour concertation, ils ont pas pour échit à bout à bout avec Jovenel Moïse, parce que c'était charrier Jovenel Moïse, voyez là.
Si Jovenel pas aller a mourir, si Jovenel Moïse pas aller, pas de sécurité, sécurité pas jamais rétablir dans le pays etc. Jovenel Moïse n'est plus. Moi-même qui analyse me fait de comportement ou bien de activité politique que vive Haïti ou ni Timothée Bureau DJ a mené dans moment là. Ariel Henry li monté dans le pays en 20 juillet 2021. Après assassinat président Jovenel Moïse. Monté Ariel Henry monté peut-être que monsieur ça yo te fait analyse yo, ou comprendre yo t'a gardé terrain, yo t'a analysé terrain. Yo te dit tête yo ah Ariel monté déjà gagne contestation par rapport avec Jean-Ariel, Jean-Ariel a cité dans touyer dans assassinat président Jovenel Moïse, Jean-Ariel a cité dans touyer président Jovenel Moïse. Ah Ariel Henry pas la volonté non. Et bon rien ka comme bon rete comme derrière bon garder de loin ça qui a passé avec Ariel Henry pour nous voir qui ça qu'a fait et comment nous ca jouer comment nous ca jouer pied nous etc. De 20 juillet à 11 septembre 2021 premier accord prendre dans premier accord qui prendre là bao ah alors grand étonnement saisissement pour nèg za yo regarder ouais SDP André Michel Majori Michel qui côté yo nan accord en septembre avec Ariel Henry yo se signataire sous prétexte que yo vle rétablir sécurité en dedans pays yo vle stabilité en dedans pays yo vle on aller mieux yo vle développement etc. désarmement fait pour pas gen gang pour pas gen bandi parce que nèg SDP yo te font ensemble de promesses kounye a si yo al si encore yo sous pouvoir faut que yo ka arriver concrétiser promesses yo te fait peuple là pendant 4 ans yo tap target pendant 4 ans yo tap yo te besoin chavirer pouvoir Jovenel Moïse bon faut que yo wè ki sa yo ka fè kounye a 11 septembre ko fin ziyen yo wè SDP là alors que yo même à un certain moment yo vin diviser avec SDP yo monter structure politique etc. donc kounye a yo poko comprendre parce que c'est pas tout le monde qui signe encore en septembre avec Ariel Henry. On comprend Ariel Henry pour qu'on ait aucune garantie. Jovenel Moïse là gagne dans des gwen Ariel Henry. Donc nèg yo sous standby toujours. Bah 21 décembre l'autre accord fait. 21 décembre c'est accord ça qui vient solidifier qui vient consolider pouvoir Ariel Henry et peut-être nèg yo même yo te attend que Ariel peut-être te ka fait 1 an sous pouvoir Ariel te ka font 9 mois sous pouvoir mais là vient réaliser que tout bon de 20 juillet 2021 jour nan moment n'a parlé jusqu'à hier côté que monsieur bay point de pression yo ouais avec support SDP qui nan accord et par rapport avec toute qualité sortie SDP André Michel Majori Michel fait malgré ta grande division prétendue tendez bien oui prétendue ta grande suspicion de division Nanel Kassia avec André Michel ça pas fait rien ça pas fait ni chaud ni fret avec pouvoir Ariel Henry donc nèg yo font l'autre calcul peut-être c'est bon moment pour chita avec Ariel Henry et surtout dans moment ça côté que on tire un maniement, on tire pas ce mec pour le faire dans le gouvernement. Pour l'histoire et pour la vérité, c'est un ensemble de monde, je ne dis pas là, qui a dit que vous voulez dialoguer, vous voulez concertation pour changer le pays, qui passe tout le temps à faire politique, à craser le pays, qui passe tout le temps à faire politique, à faire des choix qui mènent le pays à côté de là. Même ça, vous n'avez pas de gens chita avec Jovenel Moïse, parce que Jovenel Moïse, vous avez estimé que c'était l'homme à bras. C'était l'homme à battre, c'était nexa, faut que tu t'es cassé des poignets li, faut que tu t'es bété gel, faut que tu t'es cassé tête li, faut que tu t'es fond tête li, faut que tu t'es cassé pied etc. C'était l'homme à battre physiquement vrai, yo a battre li tout yel, li pas là encore. Donc journée jodi, moi même dis nous ça très clair. Moi pour toute concession, moi pour tout dialogue, moi pour toute entente, il suffit que c'est dans intérêt pays. Mais pas aucun petit bluff. Pas aucun petit mente. Pas aucun petit profit, cap sorte côté au sorti. Tout chaud tout bouquet pour yon ni qu'envisager maman le beflan. M'a dit nous ça honnêtement. Gen des séries de nèg la, gen des séries de petits jeunes. Moi même gen yeux sou yo. Là pour prendre exemple monsieur Toutounio. Monsieur Toutounio automatiquement nèg za yo. Nèg la yo qui t'a dénoncé un ensemble dérive qui t'a passé dans pouvoir Ariel Henry oui. Yonik un voum yo entre tête yo na encore 21 décembre. Jounen jodi tout petit monsieur Toutounio yo gen vers sou yo. Depuis ces délégations qui pral chita parler avec étranger yo là. Depuis ces délégations pour monter Washington, pour aller CARICOM, pour aller au EA, yo là.
yo entre dans pouvoir yo si encore kounya yo pas tout ni vous comprendre y a sous ses mamelles tout nèg ak veste tout nèg ak belle cravate dans cou. Donc est-ce que nous ka continuer accepter un groupe bluffeur, un groupe tapage sur côté aujourd'hui sous prétexte que yo wè nous dans misère tout bon, yo wè nous dans insécurité tout bon, yo wè bandi a fann fwa nous tout bon, vous comprendre sous prétexte que yo pral rentrer Non, pouvoir, vous pral faire concession pour changer ça. Et puis, vous regardez des bons groupes nègres là. Depuis le André Michel, si encore 11 septembre, passé dans 21 décembre, ok, vous entendez avec Ariel Henry, c'est pas seul lui-même, divers partis politiques, fusion, etc. etc. Qui ça que j'aime changer pour le pays? Ou pas toujours dans des ordres où nègres mettent moun yo dans fonction, nègres yo approuvent les machines officielles au frais de l'État. André Michel, plein policier avec qui statue, qui s'allie, pas qu'on est au frais de l'État, au frais de la République. Donc je ne dis pas que nous comprenons noir sur blanc. Oui, nous devons pour concession. Oui, nous devons pour dialogue. Nous devons pour entente, mais c'est dans l'intérêt qui est. C'est au profit de qui est. À la fin de la journée, l'on couche sous cabane, on va regarder, on va analyser, est-ce que c'est le peuple qui bénéficie de toute concession, de tout dialogue, de toute rencontre qui fait, ou bien est-ce que c'est dans la poche de dialogue qui aboutit, qui atterrit. Parce que journée aujourd'hui là nous subit trop, nous passons trop, nous prend trop. Mamel bœuf là pas capable encore. Bœuf ça il pas connait ni sécheresse, il pas connait ni cyclone, il pas connait ni bon temps ni mauvais temps. Nèg yo kembe bœuf là yo tot. Ah non! Non, yo pa même quitter, yo pa même quitter bœuf là pour ta font ti bœuf pour ta font ti petit pour petit là ta joindre l'aide. Pas gè bagaille comme ça. Même c'est yo seulement cap sous, c'est yo cap tété. En tout cas, l'histoire est pour son genou. Nous-mêmes, la population pas oublier visage nous. Donc, moi, ça me conseille. Depuis, monsieur, c'est dans l'intérêt pays, il a décidé de chiter avec Ariel Henry. Vas-y, al dialoguer, nous espérer qu'il y a un changement qui fait. Mais depuis, ce n'est pas dans l'intérêt pays, pour l'histoire et pour la vérité, nous avons plaqué des guidons dans les gouens. Et nous prenons fini l'émission. Et matin là, moi dis nous, on a commencement tout début émission, gagné et commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Elder Guillaume, côté gagné un paquet de rumeurs, gagné un paquet d'informations qui circulé sous lui, comme quoi l'État blanchi, ancien sénateur Joseph Lambert, et qui côté que juge Martel Jean-Claude, il y aura une ordonnance pour envoyer et ancien sénateur a jugé devant un tribunal correctionnel pour en travail à la justice, etc. Et non seulement commissaire gouvernement Elder Guillaume li mette li parler sous dossier sénateur mais tout li parler sous pèlerinage sous bataille la fin dans moment là pour lutter contre détention préventive prolongée. M'a quitté avec maître Elder Guillaume et déjà m'a invité apprécier entrevue apprécier interview que le tabaye dans micro radio magique 9 en nous garder ensemble. De radio magique. Donc, sur occasion, nous offrons donc pour nous parler des activités qu'on va entreprendre dans le parquet de Port-au-Prince. Vous vous posez une question là. Vous dites comment vous entendez combattre ça qui a appelé la détention préventive arbitraire et illégale, parfois on dit arbitraire ou illégale. Donc, nous dit que dans le discours d'installation noire, comme commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, nous avons annoncé pour nous combattre la détention préventive. Là. Qui ça nous fait? Problème ça, nous avons entendu combattre en amont et en aval. Comment nous combattre en aval? C'est aller directement nan garde à vue yo aller garder nan prison yo pour nous wè ki sa nous doit faire en tant que avocat de la société en tant que moun ki pou permettre moun yo aller juger devant tribunal ki sa nous fait d'abord déjà c'est comme si on ti bilan m'a bò la ki sa nous fait nous aller nous un paquet moun yo té arrêté sans infraction. Yon paquet moun, yo déposé yo nan commissariat yo, sa ke nou rele garde à vue yo. Yo arrêté moun yo pour des infractions mineures. Là c'est pas infraction mineure, yo arrêté yo pour abus de confiance,
Le pas arrêté pour abus de confiance, il a tenté pour dire t'as arrêté pour dette ou menace de mort. Moun sa yo, les nous dérivés, nous tendez yo, nous est pas gagné un bagage reproché vraiment. C'est monsieur X ou encore monsieur Y qui a pris pause autorité yo pour mettre moun dans prison. Moi gros bagage moi t'ai dit, moi dit liberté yon moun son bagage qui sacré. Ou pas qu'a n'importe moun besoin faire tête li plaisir. Ou pas qu'a son moun pour prendre mettre dans prison et puis pour faire payer yon fréquentité. Nous dit problème ça, nous t'ai entendre combattre li. Et on va regarder c'est ça que fait. Pendant deux samedis suivis, nous t'ai allé exactement dans commissariat de Port-au-Prince, nous allé dans sous-commissariat Canapé Vert, nous allé Pétionville, nous t'ai arrivé Delma 62 et avant hier samedi que s'est passé hein, nous t'ai allé dans commissariat Delma 33, nous t'ai lancé Nicole et dans prison famille. Donc pour tourner ça nous t'ai fait appel et il y a environ 16 moun qui était déjà libéré. Comment nous entendre combattre problème là encore dans paquet côté nous hier tic-tic-crac moun te kon vin des mandat d'amener pour aller arrêter moun et prêter infraction yo avancé a yo pas camper sou rien nous dit dans paquet ça pas des mandat d'amener pour les délits privés l'en parler des délits privés. Moun nan lè ki vini, li dou son abus de confiance, ou abus de confiance son délit privé. Donc, faut kou somme moun nan, faut remplir un paquet de formalités, ou pas obligé arrêter le pour aller au tribunal avec pour ça. Nous arranger, non, nous stopper hémorragie ça. Et l'autre façon, nous stopper encore, moun yo toujours dit c'est menace de mort. Et pas gen flagrance, en dehors de flagrance, ou pas kap vwe arrêter moun. Nous censé corriger problème ça, nan paquet depuis m pren fonction. 29 mai qui saute passé, hein? Donc nous censé résoudre problème ça. L'autre problème nous avons censé combattre, c'est permettre tout le monde aller juger. Comment vous nous faire aller juger? Nous allons aller dans la prison civile de Port-au-Prince, nous aller dans la prison famille, nous aller dans la Saint-Nicolas. Nous faisons état des lieux, nous avons dossier, nous gardons. Nous prenons certificat de cours, getan gen un volume moun qui allait juger par devant un tribunal correctionnel. Donc, nous pensons que, côté ma parole voilà, là, m'a y un chiffre là, en bas même là, nous getan gen plus que 23, 24 moun qui déjà condamné dans séance correctionnelle, yo. Pour nous faire ça, nous pas faire pour compte, non? Nous faisons en présence organisation de moun yo, nous faisons avec OPC, donc yo même yo là. Et le nom dit moun yo libéré dans le siège correctionnel yo, c'est pas que prend yo voye yo aller, yo jugé. Le yo jugé comme c'est délit, yo pas ta ka aller au-delà de 3 ans, c'est des moun qui a dans le siège correctionnel qui était déjà dans cellule yo depuis tantôt 3, 4, 5 ans, l'on fin jugé yo, nom de peine yo ba yo, eh bien, gon loi yo le Hippolyte Lespinas qui jouait en faveur yo, donc yo tout entré la caille yo. Dans le moment où on a parlé à l'audience correctionnelle, a fait chemin et ça a marché très bien. Et sous peu, nous allons organiser des assises criminelles pour permettre tout le monde d'aller juger pour qu'on connaisse ça. Donc, ce n'est pas possible. Moun yo c'est des moun yo yé, ou pour vous laguer un côté, depuis tantôt 10 ans, 11 ans, 9 ans, 15 ans, et puis, mon n'a pas jamais devant juge li. Nous trouvons ça t'est inconcevable. C'est ça que fait dans politique. Oui, oui, allô? Allez-y. Et finir à poser, si vous dites ça fait dans politique, avant de nous poser une question. Pardon? Je vais faire au père du fil passé. Maintenant, on parlait de séance correctionnelle qui fait, est-ce que et séance correctionnelle lieu, c'est eux-mêmes qui bail lieu à libération 16 moun côté évoqué tout à l'heure ou bien et correctionnel lieu gain pour bilan par pour c'est ça qui fait nous t'ai dit que son problème nous combattre les en amont et en aval. OK. Là nous parler nous c'est là nous dans la garde à vue nous jeune des moun juge de paix ou bien police était arrêté pour faire tête au plaisir, donc nous libérer. OK. Mais pour correctionnel, combien de monde qui libéré déjà? Environ 24 monde déjà qui est en liberté.
Maintenant, Maïsra Guillaume, et le monde prend prison et pour des causes aussi banales, et je vous explique, et, ou bien et de manière injuste, on risque tout pour mon nom les radicaliser. Le sortir de prison pour gagner d'autres intentions. Est-ce que mon libéré ou t'es parlé par exemple avec responsable centre de détention yo qui ba bon rapport sur comportement moun sa yo et pour dissiper et crainte qui t'a capable gagner pour moun sa yo t'a faire représailles sur moun qui était responsable et emprisonnement. C'est une belle question posée là. Pour ça nous comprendre ben pour moun qui censé pas de arriver dans prison yo qui c'est dans Gada vu nous te joignons, yo, yo pas de dans l'école là, yo te apprendre parce que prison sont université liée. Je vais poser question là, sont université liée. Gen des moun yo te arrêté, yo te mette dans commissariat yo. C'est des moun yo te arrêté pour dep. C'est des moun qui te fait te gonti discussion à qui moun soit te dit moun non bagay, li pas de deal. Moun ça sont autorité liée, li dit pas le faire payer bouche li. Est-ce qu'on quoi nous ca prend un monde pour nous jouer avec liberté pour nous faire un monde plaisir que monde ça t'est venu pour le faire un monde payer bouche donc bagage ça yo faut que nous dissocier nous avec yo faut que nous divorcer avec yo parce que dans moment ça là un monde petit critique crack au monde pour prendre monde pour arrêter le mettre en côté moi même comme commissaire du gouvernement dans paquet de Port-au-Prince dans fait déroute PM nan ban mwen gouvernement ki m la donne comme commissaire du gouvernement comme moun k'ap exécuter politique pénale nou pa pa accepter ça. Si on moun te kon se prend ça pour le faire pratique pour le faire tête li plaisir soit avec prison soit avec commissaire gouvernement soit avec yon juge soit avec yon policier yo met changer stratégie ça parce que avec moi même ki la ça pa marcher. Ou sot dit que le moun nan constater si on abus yo ta fait. Est-ce que Mounsa pas retourner à le faire tête les vengeance? Nous dit Mounsa yo, nous parler avec eux, c'est pas des moun nous prenons libérer comme ça. Nous dit que moun nan li même li gen droit pour poursuivre moun qui fait arrêter illégalement. Li gen droit ça. Même yon moun rele dans tribunal ou pas gen droit pour te rele ou pas gen matière pour te rele, moun nan ka fon ba rele contre abus du droit de cité. Tout bagay yo nan code là. Donc ou pas obligé à le bataille con moun pour faire tête ou justice. Ou pas obligé à le bail propre tête ou justice parce que tout ça ou gain ou ap chercher la loi prévoit tout. Donc nous dit moun qui fait moun sa nous libérer nous dit si ou vle ou ka poursuivre moun qui te fait ou arrêter ou en attendant et ou ka retourner vin déposer plainte dans parquet m'a dirigé et puis moun sa m'a convoqué yo si moun c'est une action gros point a fait nous entendre jusqu'au bout avec ça. Pour l'autre monde qui est en prison yo. Pour l'autre monde qui est en prison yo, ou dit qu'il est-ce qu'on va pas le faire comme des représailles ou sortir en forme de vengeance. Non dit que nous travaillons avec des organisations droit monde, des débailleurs des fonds qui ba au moyen pour ça, puis au fond l'autre programme relé réinsertion sociale. Et au vini, il y a pas là moun yo et n'a bien pour nous ça, nous va lancer nous va bailler le ton avec programme ça, nous va le mettre sous pied, a bien réinsertion sociale, a bien moun qui pas accompagner yo. Y a bien moun ki pral gade pou yon kote ou pral viv. Gen imed ki gon programme la, imed mwen kwe se madame Julien Ketli ki nan tèt organisation sa, son organisation dwa moun, li gen profession pou yo, li di moun sa yo, dès que yo sorti, yo ka montre yo métier et comme de fait moun ki commence libere le ou pral aller la, li ba yo kit, li pral adresse yo, et puis pour encadrer moun yo pour non pas encourager l'impunité en dans société ça encore donc c'est ça n'a faire maintenant on dit et moun qui estime que été arrêté injustement gen pour gen des instruments que yo capable utiliser ou dit on vient koto et on va poursuivre moun qui auteur de arrestation injuste et jusqu'au bout ça veut dire ça et comment ça vous fait faire son exemple c'est pas très son exemple en fond logique ou relem la matière. On pas faut rien qui grave. C'est mettre une infraction sous dôme. Ou faire mentir sous moi. C'est ou faire mal prendre prison. Alors que ou même m'a prendre une job pour garder comme ça. C'est ça qu'il faut parler des représailles, me dit moi pas prendre phase représailles là, pas faire vengeance. Mon qui est responsable arrestation, va mettre en prison tout.
ça va le dépend. N'a pas analysé, c'est commissaire du gouvernement nous n'a gardé opportunité pour soutenir. Si la loi ban nous pour déclencher l'action publique en mouvement, n'a déclenché. Parce que j'ai trois possibilités, l'aime dans faut attendre, faut attendre. Oui. Faut poser une question, prendre son temps. Donc si vous venez nous voter en plainte. Vous votez en plainte dans paquet quand il y a un monde qui fait un bagaille, la loi t'est interdit pour le faire. Le commissaire du gouvernement, il a une permission pour analyser le dossier. Il a analysé le dossier, il a traité le dossier. Il a trois possibilités qu'il a fait. Il a regardé si il n'y a pas de matière, pas de rien, ça qu'il a pensé qu'il a fait. Hein. La loi pas balle pour le faire. Il a classé le dossier ça, sans suite. Il a mis en côté. Il a regardé si c'est un délit, il a capable d'aller correctionnel avec lui. Si c'est un crime, il a saisi le cabinet d'instruction. Donc, on a toujours analysé plainte pour nous au regard de la loi. C'est la loi qui nous dit qui boussole nous et c'est lui qui doit triompher dans le paquet côté nous, commissaire du gouvernement, là-dedans. Mais maintenant, la prison, il y a des gens qui regardent, c'est la réunion, ou libérer au monde pour mettre dans le prison. Même logique de prisonnement pour des causes qui n'est pas si importantes, si on est capable de dire ça comme ça, et comme si on n'a pas, in fine, prison toujours des gens, si objectif là, c'est punir les gens par des emprisonnements. Maintenant, on va regarder et quelques autres dossiers rapidement avant de nous remercier parce que vous accordez notre titre ça et magistrat. Là, on a l'impression que le commissaire gouvernement, les plus mettez focus là, sous détention préventive prolongée, sous des enclaves et des engorgés et centres de détention, mais il n'y a pas fait intervention sur l'insécurité, alors que le commissaire gouvernement, c'est protecteur société. Et où il y a des actions en fait tout, et contre gagnants, contre l'insécurité généralisée dans les métropolitains? Non. Je ne suis pas un commissaire gouvernement qui vient combattre la détention préventive. Je prends un fait cheval bataille, ce n'est pas lui seulement que je prends. Si tu as suivi dans le discours, je t'ai posé tout problème. Ça. Je t'ai posé, je t'ai parlé de l'insécurité. Le problème d'insécurité, je ne suis pas au plan bataille, non dans la radio. C'est une question très sensible. Mais il y a une pile disposition qui prend un dans paquet avec la police. C'est ça qui fait me dire qu'il y a un maillage qui fait là. C'est le paquet. La population et la police. Son maillage de 3P. Ouais, 3P à ce parquet. Population, la police. Qui ça nous t'est adopté comme philosophie? Nous t'es dit philosophie, pas nous, c'est j'ai bouche parler. Ou même en tant que journaliste, quand on est à la ou bien on bagage à passer, c'est ça qui fait nous censés établir, en tant pas qu'à nous reprendre, souffler, ça qui a brûlé les services de la permanence. Donc, n'importe quoi, ouais, on a un numéro de téléphone, ou partagez avec nous, et puis, soit partagé avec nous, elle a prêté entre nous, et puis, moi-même, m'a mettez l'action publique en mouvement. C'est pas là seulement, nous, y'est. Bon, l'autre problème qui a passé dans la société, là. Ou qu'on est dans la zone d'Elma, là, côté ma parole, vol, ou son journaliste, ou fait tout votre travail, ou fait un petit économie, ou fait un bien, ou acheter un espace, ou prend temps, ou prend coup de poing à gauche à droite, ou acheter un petit caille, ou bien ou acheter un petit terrain, ou font un petit caille, ou qu'on fait 20 ans, ou a construit un petit caille, ça pas qu'à finir. Et puis, soit pendant une sortie, ou aller en côté quelconque, ou fait 3 jours dehors, et puis, un paquet de bandits qui viennent cracher barrière, ça, ou mettre barrière par yo. Yo, soit, ou venir, yo changer cadenas. Un phénomène qui a passé sous Delma, là. Phénomène, ça, le Pétionville, l'Ipédiville, l'Ivivimili, tout côté, dans le pays, là. C'est ça que fait nous venir avec service permanence, là. Donc, ou même, qui t'a yon bagaille comme ça, ouais, cap, passer là, sous Delma, l'autre côté, où il est, nous, comme chef de la poursuite, n'a pas été arrivé. Parce que, genre de pratique, ça, yo, nous besoin finir avec lui, dans la société, là. Ça, y'a pas détention préventive liée. Nous, guettons prendre, et nous commençons à travailler sous lui. Ça que fait, ou pas qu'on est, c'est parce que des questions sensibles, ou mettre un sous peu, nous, pas le guérir, yon bilan, et puis, à travers bilan, nous, on va louer tout ça, yo, nous, t'a dit, yo, c'est pas un problème de détention préventive seulement, prolongé, ou, nous, le global tout, non, yo, les détentions arbitraires et illégales. Donc, nous, on paquette, non, nous travaillons là-dedans,
et nous prenons nous faire le cheval de bataille nous. Ça ouais nous là là, nous faire cheval de bataille nous. Sous besoin comprendre bien qui ça nous fait cheval de bataille nous. On met référal dans discours nous ou après toute promesse nous t'ai fait yo, c'est on n'a pas appliqué là. Bon, donc toute promesse nous t'ai fait on a respecté yo. C'est pas que des promesses, il faut également des actions. Numéro de téléphone. Mais... Non mais nous posons pile action, on pas qu'à dire ça avant bon action à poser. Non, faut pas aller, faut regarder, on est en société là. Donc écoutez chef. On est en société là. Nous t'ai dit, n'a pas combattre détention, n'a pas combattre arrestation illégale, n'a pas combattre arrestation arbitraire. Qui ça nous fait? Nous venons de Mounio, yo, depuis nous constater arrestation illégale ou bien l'arbitraire, et puis nous agis. Donc, c'est pas un jouet lié. Donc, nous t'ai dit encore, n'a pas jugé Mounio, dans le moment où je parle à la là, faut passer, ouais, pour son lot paquet qui est là, son lot activité qui est là. Donc, c'est pas un jouet là. Tout ça, nous t'ai dit, c'est eux, n'a pas mis en application. C'est j'ai numéro de téléphone du service permanence et parquet ou ca partage la République là c'est toute fois quoi gon numéro gain 39 49 38 38. OK, maintenant deux autres sujets rapidement. Et pour cambriolage qui était fait dans parquet, on t'a annoncé que on va mener enquête, qui côtoyer avec lui. Dossier ça dans le cabinet d'instruction déjà. N'a pas avancé très bien. Et puis nous renforcer sécurité paquet à tout. Et m'te dit le monter a fait casser paquet à pas de ça encore. Et si ça fait, quel que soit jeune, il y a moun qui l'a qui. Parce que bon, l'État paye moun pour bailler paquet à sécurité. L'État paye pour ça chaque mois. Et pour t'as trouvé bien des nègres, l'État paye qui a fait un travail. Et puis, le casser paquet à fort du côté oyé. Et quitter enquête là à faire chemin. Comme dans un cabinet d'instruction, on dit souvent, c'est la loi dit, l'instruction est secrète, m'a qu'à dévoiler, ça qu'a passé là. Mais dès que m'en venu, qui ça me fait? DCPJ qui travaille par licence à faire, en attendant que tout bagage censé, DCPJ Noël, il tend en plus le monde déjà, dossier ça dans le cabinet d'instruction. Tout peu, pas bien, résultat. Bonjour, d'instruction qui est sur dossier. Définitivement, il est dans le cabinet d'instruction, il est là, il est dans le carré doyen, on a vérifié pour nous, est-ce qu'elle distribue déjà. Ok. Dernière question. Tout à l'heure, la moins, on va faire deux ou tout. Oui, goumé contre détention préventive prolongée, goumé contre spoliatorio, et goumé contre sécurité. Je ne vais pas dire rien sur les actes corruption. ULCC a plusieurs rapports. Et bien tout, et Canada, États-Unis, entre autres, qui annoncent des déceptions contre des personnalités qui ont estimé, ou bien qui ont encouragé l'action gang armée, ou bien qui sont auteurs de la corruption. Vous n'avez pas fait de route pour partir ça, pour les sanctionner? Au contraire, c'est ça même qui est vrai cheval de bataille, non tout. Corruption fait pays ça un peu le mal. Corruption fait pays ça, c'est corruption qui mette nous dans toute soirée, nous, là. Et c'est dans le pays d'Haïti, oui, qu'a fait. Corruption, son bagage, le monde. Mais, l'homme garde en Haïti le plus grave. Ou garde où on est qui est entré dans l'État. Jodi, il passe environ 3 mois, 6 mois, et puis il joue une copie de bâtir dans le pays étranger, il achète un cas qui coûte $1 million américains. Son bagage qui t'est de fait déjà. Son bagage où t'es de prendre sanction contre lui déjà. Non seulement prendre sanction, faut que nous arrêter. Faut qu'il fait retourner comme ça au bail société. Bon, Joe, pour ça là, hier, m'attendais ça à travers un journaliste qui a fait analyse politique, m'attendais qui s'en est avlé et pinglé par Kéa, qui dit que moi blanchi Joseph Lambert dans 4 dossiers qui ont joué la torture là-dedans. Je ne vais pas parler de ça, mais moi j'ai fait un petit rappel pour journaliste ça. Nous dit que le dossier arrivé dans le paquet pour le débat RD, ça qui a pris les réquisitoires définitifs qui continuent de trouver les RD, qui ça nous fait en tant que commissaire du gouvernement. Nous analyser le dossier, non? Nous analyser le dossier, nous, c'est un bagage qui concernait Yuri La Tortue. Là, il concernait Yuri La Tortue, donc nous demandons pour aller juger Yuri devant les tribunaux criminels pour crime de corruption qu'elle fait. Maintenant, il a épinglé Lambert parce qu'elle t'a fait entrave à la justice. À l'époque d'alors, Lambert était président assemblée nationale, disons Sénat.
dans règlement interne, règlement interne dit que il va pas mettre un sénateur à la disposition de la justice si le président pas mettre à la disposition et n'a pas là pas de président. Donc lui-même n'est pas impliqué dans crime il reproché Yuri la torture. Donc moi mandé pour vous voyez Yuri jugé par devant tribunal criminel, m'a fini moi mandé une information m'a baou. Moi faut que clarifier question ça. Et décision qui prend réquisitoire définitif pour prendre un dossier et corruption qui impliquait sénateur et Yuri la torture et qui gagne la domito et président d'alors Sénat Joseph Lambert, on t'a expliqué différence de conclusion qui gagne pour deux personnalités ça. Et on t'a expliqué la situation président Lambert. Effectivement. Oui, nous entendons que m'était épinglé par un journaliste parce que bon me dire bagarre. Ouais, c'est journaliste ou être dans domaine journaliste. Et si tout le monde qui pas maîtrisé un bagarre, yo maintenant tête yo ka parler la donne. Gen bagarre, monsieur dit que journaliste là l'a dit moi blanchi Lambert. Commissaire gouvernement pas qu'à blanchir au monde. J'ai besoin pour me attirer attention sur ça. Commissaire gouvernement, quittez-moi fini. Vous posez mon question, quittez-moi fini. Au moins bonne chance pour me finir. Au moins bonne chance. Ok. Donc, ça que moi voulais attirer attention, journaliste, ça. Le juge d'instruction n'est pas lié par les conclusions du parquet. Ça veut dire que malgré journaliste la dit ça, elle fait de mauvaise foi. Par contre, ça qui pour qui ça la fait? Est-ce qu'elle a une mission bien définie? Il dit que Lambert blanchit. Mais c'est faux et archi-faux. Donc, juge d'instruction envoyé Lambert juger tribunal correctionnel. Juge d'instruction envoyé Yuri aller juger dans tribunal criminel. Côté le blanchi à là. Donc, ça me devait attirer attention. Donc, ça veut dire que je pense que ça li clair, c'est la loi. Son moun pa kont sa, mande l'autre moun, y a edo interprété, loi comprendre. Prenez une consultation à vous faire. On analyse son dossier très technique. Donc, le commissaire du gouvernement pas capable de blanchir yon moun. S'il dit ça, faut le corriger. Et a fait quelque chose de critique qu'on connaît pour micro, le pral dit n'importe bagay, que li pa nan do maintenant, et puis la vin parler de li pour l'interpréter la loi, j'en vle. Ça n'a pas rien doit faire. Ou dit le blanchi pendant ce temps, ordonnance la voyer la juger. Ou dit le blanchi pendant ce temps, ordonnance la signifier avec elle. Ou dit le blanchi pendant ce temps, il fait appel de ordonnance la qui fait là. Non, qui ça le blanchi là? Je ne comprends pas. Donc ça me devait mettre une petite précision sur ça. Maintenant, avant de retourner et de manière plus spécifique sur la question et sanctions, et comme on va parler de dossier Joseph Lambert et dossier Yuri la torture, il y a un monde qui et commet délit et en travers la justice, c'est devant le tribunal correctionnel que vous devez attendre, si vous comprenez bien ce que je veux dire. On laisse aller les trafics d'influence ou bien le faire en travers la justice. Okay. C'est le tribunal qui est compétent, c'est le tribunal correctionnel. Correctionnel. Ok, merci pour la précision. Exact. Maintenant, pour les gens qui sanctionnent, et qui ça paquet a fait suivi sur ça, n'a pas demandé des dossiers, n'a pas été mounio, ça a intéressé, je vais dire. En fond logique, ou ces journalistes, comment elle est encore, s'il vous plaît? Daniel Sénat, oui. Jean-Daniel, c'est pas comme ça pour yon faire. Jusqu'à présent, nous avons pris ça, nous n'avons pas voyé un yon par nous comme document. Nous n'avons pas yon dans mes noms. Nous disons, c'est clamé public. Nous n'avons pas bas information. C'est normal, ça intéresse nous comme chef de la poursuite. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de personne qui vient de manière officielle, qui va nous acte de dénonciation, de manière officielle. Pas un pays ça ouvre aucun document bah nous yo tout simplement dit yo sanctionné mounio pour question de corruption mais si on doit prendre une sanction faut voir document qui pousse au prendre sanction en bas nous jusqu'à présent beaucoup Canada beaucoup voyez un en bas nous en termes de documents ambassade américaine beaucoup voyez bah un en bas nous en termes de documents République dominicaine beaucoup voyez un en bas nous comme document. Vous demandez pour me déclencher l'action publique, pour me déclencher le forme de fait, forme de preuve,
faut dénoncer, faut venir dire exactement moi prendre sanction contre moun sa yo fait tel bagaille. Yo dit c'est cob yo l'état yo prend. Donc n'attend ça, n'attend yo voye document ba nous et depuis yo voye document ba nous gen matière nan men nou quel que soit moun ya quel que soit côté là la poursuivre comme moi même en tant que commissaire du gouvernement. Donc n'attend jusqu'à présent les documents qui dit pas que pour qui ça yo sanctionné et puis pour qui ça yo prend décision ça au compte yo. Parquet a pas fait saisine d'office. Oui, il a procédé par l'action par clameur publique. Mais clameur publique là m'poko gen rien qui est clair là. C'est dit ou dit même pour que yo, faut me garder, faut me constater yo et puis faut que nous baï dans jour là, nous va le garder yo, nous va voir qui ça peut passer là. On met temps, nous met espérer ça. Monsieur Lamotte par exemple et que le département d'État annonce soutien. Eh ben, tu as un dossier, de bon, pas lui même personnellement, mais dossier Petro Caribéa, son dossier qui est devant la justice. Eh bien, effectivement, avoir dit son dossier qui est devant la justice. La procédure n'est fait pas marche arrière. Okay. Dossier la motte là, t'es déjà dans le cabinet, où qu'on était un juge qui t'a travaillé sur lui. Le juge la mandat pas renouvelé. Maintenant, il revient au doyen pour avoir accès à SPJ, puis désigner un autre juge. Ou t'es un juge qui t'a mené instruction des dossiers la motte là, où qu'on n'est pas dans le système là encore. Eh bien, voilà, on connaît une balle, donc faut qu'il désigne l'autre juge. Maintenant, c'est une autre bagaille, qui n'a même, pour même dossier ça, mais qui a fait un réquisitoire supplétif, mais vous voyez l'aller, by cabinet d'instruction. Donc, n'a pas été désigné, c'est pas un dossier qui est confiné, dossier qui a fait chez même deux jours, pour confiné. Donc, nous va même besoin parler des dossiers là, mot là, parce qu'il est déjà dans le cabinet d'instruction. Donc, souper, il va le désigner l'autre juge, d'après information qui est disposée. C'est Guillaume, merci un peu. Est-ce que tu es disponible pour nous matin? C'est à moi de vous remercier. Donc, à bientôt. Je suis toujours là pour moi bailler information de toute activité dans l'entreprise de Pakia. Mais ces informations, nous bâillons toujours. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays? Et puis, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'énoncé. Mon éditorial, c'est tout. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel Paula pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral le débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voir.